J'ai galéré à écrire cette vidéo. Pas parce que c'est un sujet que j'aime pas, au contraire, c'est un sujet qui me passionne, mais parce que j'ai passé une semaine particulièrement stimulante. J'ai passé une semaine à me réveiller, à prendre mon téléphone, à aller checker la vie d'autres personnes sur les réseaux sociaux, au lieu de me concentrer sur la mienne. J'ai passé ma semaine à répondre à des appels pour régler les problèmes d'autres personnes pas les miens. Bref, j'ai passé une semaine à ne pas me concentrer sur des habitudes qui, en temps normal, me permettent de me tenir loin de la sursimulation quotidienne. La sursimulation, elle a failli ruiner le script de cette vidéo. Elle m'aurait empêché de la sortir à temps et elle m'aurait écarté de mes objectifs. Tout ça juste parce que j'avais du mal à me concentrer sur une tâche que je fais d'habitude en quelques heures. À l'échelle d'une semaine, tu me diras que ça peut encore passer. On a tous des périodes de creux et ça nous arrive à tous d'être un peu moins productifs d'une semaine à l'autre. Mais qu'en est-il à l'échelle d'un mois Qu'en est-il à l'échelle d'un trimestre À l'échelle d'une année et si je vais plus loin, qu'en est-il à l'échelle d'une vie La sursimulation peut ruiner ma vie. Elle peut aussi ruiner la tienne, et elle le fera si on n'arrive pas à la dominer. Si on prend pas le contrôle sur ce qui rentre dans notre tête, on laisse progressivement le temps, donc notre vie, nous échapper à petit feu. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu dois prendre le sujet de la surstimulation au quotidien très au sérieux et que faire pour reprendre le contrôle de ton quotidien. Tu verras que 99% des conseils qu'on te donne dans le monde du Dev perso sont en majorité inutiles face au danger que représente la surstimulation au quotidien. Pour commencer, j'aimerais que tu comprennes et j'aimerais définir ce que personnellement j'entends par surstimulation. La surstimulation, tout d'abord, c'est les écrans et les réseaux sociaux. Ça va de soi. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, la surstimulation, de manière générale, c'est tout ce qui va avoir un impact négatif sur ta capacité à développer une concentration optimale dans l'atteinte de tes objectifs. Donc, en plus des réseaux sociaux, personnellement, j'inclus à la surstimulation les stimulations externes, les stimulations créées par d'autres personnes de ton entourage. Une personne qui t'envoie des messages pour te faire part de ses problèmes en permanence, c'est de la surstimulation. Un client ou ton boss qui te rajoute des tâches à faire. Au quotidien, alors que tu avais d'autres choses de prévu, c'est de la surstimulation. Ces choses, elles te prennent de l'espace mental. Elles rentrent dans ta tête et elles s'ajoutent à ton flot de pensées. En d'autres termes, elles s'ajoutent à ce que tu as déjà prévu de faire et elles deviennent des fausses priorités dans ta vie. On va prendre un exemple de journée tout simple que beaucoup de gens vivent au quotidien. Imagine que tu te réveilles, tu commences la journée avec un esprit tout neuf. Tu es prêt à te focus sur tes objectifs. Puis la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton téléphone pour ouvrir les réseaux sociaux, pour scroller 30-40 minutes. Pour vivre la vie d'autres personnes, dès le début de la journée, tu t'es déjà mis dans un mode où tu es surstimulé. Tu t'es déjà mis dans un mode où tu vas avoir ton focus qui va être impacté par ce contenu que tu consommes. Parce qu'au réveil, une dizaine de TikTok de 30 secondes ultra stimulants, ça bat déjà une activité comme par exemple la lecture, une activité qui serait beaucoup plus à valeur ajoutée, mais que tu as déjà perdu dès le début de ta journée. Puis tu fermes les réseaux sociaux, ouvres ton application de messagerie et tu vois que tu as reçu deux messages. Tu as reçu un premier message de ta voisine qui a perdu son chat. Appelons-le réglisse. Et tu reçois un autre message de ton boss qui veut que tu règles des problèmes et qui dit que c'est absolument ultra urgent. Alors qu'évidemment, on sait très bien que ça ne devrait pas forcément être réglé dans la journée, mais lui il présente ça comme une urgence, comme ça ça sera fait plus vite. Et toi ça te rajoute de la charge mentale. À ce moment-là, t'as beau te dire que tu vas juste prendre acte de ces messages et les laisser où ils sont, tu te mens à toi-même. À partir du moment où ils sont rentrés dans ta tête, ça devient tes problèmes. Ils vont rester là. Ils vont travailler en arrière-plan et tu vas pas pouvoir te concentrer à ton plein potentiel sur les activités que tu veux faire. Parce qu'une fois que tu sais que ce pauvre Réglisse est mort, tu te sens obligé d'envoyer le plus vite possible un message de condoléance à ta voisine. Et tiens, il est mort de quoi Réglisse Si on allait checker sur Internet la cause de sa mort. Et puis, pendant qu'on y est, maintenant qu'on a fait face à cette triste nouvelle, pourquoi on n'irait pas voir des vidéos de chats un peu marrantes et un peu mignonnes sur TikTok Tu te retrouves à la case départ, à scroller sur TikTok. Et t'as déjà perdu deux heures de ta journée, et avec ça, tout ton focus est ruiné. Donc que je me fasse bien comprendre, la surstimulation, c'est pas que les écrans et les réseaux sociaux, même si c'est une grande partie du problème. La surstimulation, c'est osciller en permanence entre les stimulations externes et les pulsions internes, entre les tâches inutiles imposées par les autres et les distractions que te proposent les réseaux sociaux. C'est la fin de la journée, as traité tous les messages, t'as répondu à tous les problèmes d'autres personnes qui n'étaient pas les tiens, et t'as scrollé pendant plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Tu regardes ton temps d'écran et tu as perdu en moyenne 6 heures. 6 heures à pas faire grand-chose. 6 heures de plus de gâcher et une journée de plus que tu peux jeter à la poubelle. Si tu fais 6 heures fois le nombre de jours que tu as dans ton année, ça fait 2190 heures perdues chaque année si chaque jour tu te laisses aller à la surstimulation aux pulsions internes et aux stimulations externes. 2190 heures à ne pas être intentionnel et à ne pas avancer sur tes projets. C'est terrible. On va s'amuser à pousser le calcul un peu plus loin, fais ça pendant 5 ans et t'as perdu l'occasion d'apprendre une activité sur le bout des doigts. Par exemple, apprendre le piano ou encore apprendre à dessiner ou encore apprendre à devenir très bon dans un nouveau sport. Il y a des milliers de problèmes avec la sursimulation et je pourrais te faire une vidéo de 3 heures sur la question. Mais pour moi, il y a vraiment un problème principal à la sursimulation de nos vies. Il y a quelques années, j'avais un débat avec un pote et je lui disais que selon moi, pour réussir dans la vie, il fallait à un moment donné de son parcours avoir réussi à s'asseoir pendant plusieurs heures à un bureau. Et à se concentrer sur une tâche précise. Et à l'époque, je connaissais absolument rien à des notions comme le deep work, la dopamine détox ou je sais pas quoi d'autre. C'était juste quelque chose que je ressentais. J'étais persuadé que se concentrer, c'était l'une des habitudes les plus importantes pour réussir. Des années après, et des centaines de contenus consommés sur la question, j'en suis plus persuadé que jamais. La sursimulation, elle t'empêche de te concentrer pour une raison simple c'est qu'elle dérègle ton système dopaminergique. Je t'explique très rapidement. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui joue un rôle majeur dans le système de récompense du cerveau. Ce système de récompense, il nous motive à faire des activités qui, selon notre cerveau, valent la peine d'être répétées. Les activités qui valent la peine d'être répétées, ce sont celles qui sont le plus plaisantes à effectuer. Donc si je résume, il y a une sorte de boucle qui s'effectue dans ton cerveau, tu vas faire quelque chose qui te plaît, donc, ton cerveau va sécréter de la dopamine, donc tu as envie de répéter l'opération. Sauf que, et c'est pour ça que tu as peut-être déjà entendu le terme pic de dopamine, il y a des activités qui te procurent beaucoup plus de dopamine et beaucoup plus rapidement que d'autres. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est de la dopamine en barre. C'est disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, à portée de scroll, et c'est ultra stimulant. Ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'une fois que tu as habitué ton cerveau à de tels niveaux de dopamine, c'est absolument impossible de revenir à une activité plus calme à l'échelle de la journée. Et si tu fais ça... Assez de jours d'affilée, tu pourras plus jamais revenir à un état de concentration assez correct. Par exemple, à l'échelle d'une journée, quand je lis pas le matin, ce que j'ai l'habitude de faire, j'arrive pas à déplacer mon slot de lecture plus tard le soir. Puisque le soir est arrivé, j'ai passé ma journée à faire des appels, à envoyer des messages, à regarder des vidéos, à scroller sur les réseaux sociaux, et le seul moment où j'arrive à lire en étant ultra concentré et en aimant cette activité, c'est le matin quand j'ai pas encore été ultra stimulé. Je me réveille, je ne prends pas mon téléphone, je me mets sur mon livre et je lis pendant une heure. Sinon, c'est impossible pour moi puisque je me suis habitué à des activités qui sécrètent beaucoup trop de dopamine et qui me paraissent beaucoup mieux que la lecture. Donc à côté de ces activités-là, lire ça devient ultra fade. Mais le gros problème, tu le vois bien, c'est que ces activités-là, lire un livre ou se concentrer sur une tâche en état de flow pendant plusieurs heures, ce sont ces activités qui t'apportent énormément de valeur au quotidien. Ce sont ces activités qui te permettent d'aller vers tes objectifs. Donc la surstimulation, ça mène à la perte de concentration. Et la perte de concentration, c'est un cercle vicieux qui se répercute dans tous les domaines de ta vie. Ne plus savoir se concentrer pendant plusieurs heures, c'est aussi être moins créatif. Et je suis convaincu que tout le monde doit créer, sans exception. Beaucoup de gens ont présenté pendant des années la créativité comme un trait de caractère naturel, comme quoi il y aurait des gens créatifs et des gens pas créatifs. Mais je pense qu'à plus ou moins grande échelle, tous les humains sont plus épanouis en créant un minimum. Sauf que pour créer, il faut trois choses. Il faut pratiquer. Il faut laisser son esprit parfois se perdre dans ses pensées et il faut aussi consommer du contenu, mais consommer du contenu de qualité. Sauf qu'en consommant du contenu médiocre comme des TikTok en permanence, bah tu perds de la bande passante, tu es surstimulé, donc tu remplis aucun de ces trois critères pour être créatif sur le long terme. Et c'est quelque chose que j'ai aussi déjà ressenti. Quand je suis focus sur un bon équilibre entre création de qualité et consommation de choses qui me plaisent et qui vont me permettre de me nourrir pour ma création, c'est les moments où je suis le plus créatif. Par contre, les moments où je me laisse aller de manière passive en écoutant euh, des TikTok, ou en regardant des vidéos YouTube qui ne me plaisent pas et qui ne sont pas à haute valeur ajoutée, c'est les moments où ma créativité est au plus bas. Donc créer, c'est plus qu'un trait de caractère naturel. Créer, c'est agir consciemment pour atteindre un résultat voulu. Et ça, encore une fois, ça part d'une seule capacité, savoir se concentrer pendant plusieurs heures d'affilée. Parce que le focus, c'est l'habitude ultime pour réussir. Toutes les autres habitudes découlent du fait de pouvoir te concentrer pendant plusieurs heures. Et je suis persuadé qu'avec la surstimulation excessive que nous offre notre société, les personnes qui savent se focus pendant plusieurs heures vont encore plus se démarquer des autres qu'avant. Avant que je naisse, mes parents ont vécu dans le 19e arrondissement de Paris, à Stalingrad. Le quartier était déjà ravagé par une drogue à l'époque qui s'appelle le crack. Et donc toute ma jeunesse, j'entendais ma mère me rabâcher qu'il fallait absolument pas que je touche à cette drogue. Alors, attention, je préviens. Elle me disait de toucher à aucune drogue, mais elle était particulièrement virulente quand elle parlait du crack. Elle était particulièrement virulente dans le fait de dire que les personnes qui touchaient une fois à cette drogue étaient comme dépendantes à vie et qu'on ne pouvait pas avoir de retour en arrière. Elle me faisait pas mal peur avec ça d'ailleurs. Aujourd'hui, de plus en plus d'études se mettent à comparer la dépendance à la cocaïne et la dépendance aux écrans. Le crack étant un dérivé de la cocaïne et le crack créant, paraît-il, plus de dépendance que la cocaïne, je considère volontiers la stimulation liée aux écrans comme une drogue dure. Je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt et commencer à voir le problème en face. Faut commencer à admettre qu'on est tous en majorité des drogués à nos écrans. Parce qu'en réalité, comment t'appelles quelque chose dont tu peux pas te passer si facilement, qui te fait perdre des milliers d'heures par an et qui te fait perdre toute notion du temps D'ailleurs, après l'écriture de cette vidéo, je suis tombé par hasard sur les réseaux sociaux sur cet article. Voilà. Je te laisse te faire ton avis sur la question. Maintenant, et je te l'ai dit en début de vidéo, selon moi, les vidéos pour se débarrasser de l'addiction aux écrans, de la dépendance aux écrans et aux réseaux sociaux, elles sont assez malhonnêtes. Puisque il y a un gros mensonge, c'est qu'on nous vend des petites techniques, des petits hacks pour réussir comme par magie à diminuer notre dépendance aux écrans. Et comme je te l'ai dit, selon moi, il faut y aller avec les grands moyens. C'est une drogue dure, et face à ça, il faut mettre les bonnes solutions en place. Toutes ces vidéos-là, elles omettent quelque chose. C'est qu'on est beaucoup trop faible face à cette drogue. Pire encore. On est les premiers à se mentir à nous-mêmes pour ne pas suivre les règles qu'on s'est imposées. Donc désolé de te le dire, tu n'iras pas moins sur ton téléphone en mettant ton téléphone en noir et blanc ou en désactivant les notifications. Tout ça c'est des grosses conneries et tu trouveras assez vite des stratagèmes pour contrer ces mesures mises en place. Donc première étape du processus, arrête de te mentir à toi-même et vois le problème en face. Parce que limiter son temps d'écran et la surstimulation de manière générale, c'est pas juste un truc cool de youtubeur dev perso, c'est une obligation vitale. Maintenant voilà le processus clair que je mets en place qui marche à tous les coups sur moi pour réduire la surstimulation dans ma vie. Ok, une fois que j'ai admis que les réseaux sociaux et la surstimulation étaient dangereux dans mon quotidien, le second constat, c'est que je ne peux pas vivre en ermite sans écran et sans téléphone. Par contre, la chose sur laquelle je peux avoir du pouvoir, c'est retarder le plus possible dans mes journées l'entrée de sollicitations externes et les pics de dopamine. Ce que je peux faire, c'est que je peux sécuriser une partie de ma journée pour faire des tâches en travail profond à haute valeur ajoutée. Pendant ces périodes de la journée, je vais éviter les activités excitantes. Par exemple, et ça va de soi, j'ai essayé de pas aller sur les réseaux sociaux. Aussi, je vais écouter très peu de musique parce que ça me distrait un peu. Je vais jusqu'à ne plus aller au sport le matin, puisque j'ai remarqué que le sport, en général, une fois que j'en avais fait, j'étais assez excité. Je suis dans un niveau d'excitation très élevé par rapport au travail que je dois fournir quand je me pose et que je dois être concentré. Donc, j'évite maintenant d'aller au sport le matin et j'y vais plutôt le soir. Pour les sollicitations externes, ce que je fais, c'est que je vais pas sur mes applications de messagerie. J'évite de répondre à mes messages jusqu'à la mi-journée. Au début, c'est quelque chose que j'avais peur de faire parce qu'on a souvent tendance à croire que le monde tourne autour. De nous, si je simplifie, on a tendance à croire que si on répond pas à un message pendant plusieurs heures, tout va s'effondrer. Mais en réalité, la plupart du temps, les gens qui te sollicitent, même pour des tâches soi-disant urgentes, peuvent attendre quelques heures pour que tu leur répondes après la mi-journée. Et je te le rappelle, c'est pas que je ne réponds pas à mes messages, c'est juste que je les regarde. Pas du tout, je te l'ai dit en début de vidéo, un problème devient le tien à partir du moment où il est dans ta tête. Si j'ai un message par exemple urgent mais que j'ai pas encore lu, c'est pas encore un problème pour moi. Donc je préfère ne pas les lire, puisque si je les lis, j'arriverai pas à les mettre de côté. Ça sera de la bande passe entre moi pour me concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée du matin. En général, j'essaie de retarder la surstimulation jusqu'à midi, midi et demi, 13h si je suis vraiment chaud. Parce que à partir du moment où je me réveille, ça m'accorde assez d'heures pour me concentrer vraiment sur des tâches à haute valeur ajoutée et avancer. Vraiment sur mes projets avec un gros bloc de temps. Et après cette heure-ci, à partir du moment où je commence à euh, réactiver ma messagerie, aller sur les réseaux, etc., c'est à partir de ce moment-là que je laisse entre guillemets au monde le droit de me déranger. Ce que j'intègre à mon processus pour éviter toute surstimulation et ne pas craquer pendant ces blocs de temps un peu sacrés de mes journées, c'est jouer sur la honte et le regard des autres. La honte, c'est un sentiment négatif certes, mais c'est un sentiment puissant qui peut nous empêcher de faire pas mal de choses. C'est quelque chose que tu peux tourner à ton avantage en te servant du regard des autres pour ne pas aller sur les réseaux sociaux et ne pas checker tes conversations. Par exemple, tu peux avoir un ami avec lequel vous vous dites que vous n'allez pas aller sur les réseaux sociaux pendant une certaine période de temps et vous, vous comparez à la fin de la semaine, par exemple, vos temps d'écran pour voir qui a tenu et qui a fait les meilleurs scores, entre guillemets. Personnellement, ce que je fais pour jouer sur la honte et le regard des autres, c'est un truc tout simple. Je parle en majorité aux gens sur WhatsApp et un de mes petits péchés mignons, le matin, en plus d'aller sur les réseaux sociaux, c'est de checker si j'ai pas des nouvelles conversations, dont parfois des choses urgentes qui vont me disperser toute la matinée. Donc ce que je fais, c'est que je sais que sur WhatsApp, il y a un statut en ligne quand on est connecté. Je vais dire à une personne à qui je parle souvent sur WhatsApp Tiens, toute cette semaine, je m'engage à ne pas aller checker mes conversations avant midi et demi. Et cette personne-là, chaque matin, pourra voir si je suis en ligne avant cette heure-ci. Pire encore, si elle m'a envoyé un message euh, le soir ou le matin, si je lui réponds, bah, c'est que je n'ai pas tenu mon engagement. Donc je joue encore une fois sur ce petit truc, sur le regard des autres et sur la honte que ça crée de ne pas tenir ses engagements pour euh, m'empêcher d'aller checker mes conversations sur WhatsApp. C'est un truc tout simple, mais tu peux utiliser ça de plein de manières différentes. Encore une fois, à toi d'être créatif et à toi d'utiliser ça dans ton processus. Mais moi, ça m'aide beaucoup de jouer sur ça. Enfin, ce qui marche beaucoup pour moi, c'est de conscientiser au quotidien le fait que tous les contenus ne se valent pas tous. Je fais une hiérarchie de contenus et j'admets qu'il y a des contenus plus médiocres que d'autres. Avant, j'essayais de me mentir à moi-même en me disant que je pouvais toujours apprendre des trucs, tirer de la motivation ou encore tirer des belles vidéos depuis TikTok. Mais ça reste du contenu qui bousille mon attention. Donc j'admets volontiers que, par exemple, TikTok c'est un contenu qui est inférieur à YouTube, dans ma hiérarchie de contenu par exemple. Et YouTube, c'est un contenu qui est inférieur à la lecture. Ce que je fais aussi, c'est que pendant les moments où je peux consommer des contenus, j'essaie de réduire les moments où je consomme des contenus sur la vie des autres. C'est-à-dire que j'essaie de réduire de plus en plus les formats podcast où il y a deux entrepreneurs qui parlent, qui vont tout le temps tourner en rond en plus autour des mêmes idées. C'est quelque chose dont j'ai fait le tour. Et j'ai l'impression en fait qu'en écoutant ces personnes parler, ça me donne une impression de réussite que moi, je n'ai pas encore personnellement par rapport à ces gens-là. Pareil pour les vlogs, je suis la vie des gens et ça me donne une impression d'accomplissement dans ma journée, alors que factuellement, je suis toujours devant mon ordi en train de suivre le quotidien d'une autre personne. Je n'ai pas bougé d'ici et je ne suis pas en train de créer ou d'avancer vers mes objectifs. Toutes ces choses marchent pour moi et peuvent potentiellement marcher pour toi. Après, libre à toi de trouver ce qui te convient et de mettre en place des processus pour t'éviter d'être surstimulé en permanence. C'est à toi de mettre le doigt sur les déclencheurs qui font que tu passes ta journée à être surstimulé. Une fois que tu as mis le doigt sur ces déclencheurs, tu pourras les supprimer grâce à un processus clair. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir accès à du contenu exclusif sur les sujets que je traite ici, tu peux cliquer sur le premier lien en de description pour avoir accès à l'épopée. L'épopée, ce sont des lettres privées que j'envoie chaque semaine, encore une fois, avec du contenu que je ne partage pas ici. Donc pour ne pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en de description et inscris-toi. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc ça serait extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!